wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve encore une nouvelle fois sur GTA 5 PC pour vous présenter un tout nouveau mode. Alors j'avais présenté récemment une villa au bord de la plage, beaucoup de personnes étaient déçues de la maison que j'avais montrée. Donc je me suis dit, bon allez Virtuose, on va pas lâcher l'affaire, je vais vous présenter une nouvelle maison qui cette fois-ci j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Si on pouvait atteindre les 1000 likes sur cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, what the fuck. Alors oui, le petit défaut qu'il y a sur cette Renault Mégane Trophy, c'est tout simplement qu'elle est trop légère, donc du coup ça fait qu'elle part rapidement en couille. Mais pour ceux qui voudraient voir un peu plus de cette voiture, je vous mettrai le lien de ma vidéo de mode que j'ai fait. Alors on va pas descendre dans la villa avec une voiture aussi moche. Attendez, on va la réparer histoire que ce soit quand même beaucoup plus classe. Ah, c'est quand même mieux. Alors, le lien de le mode se trouvera bien évidemment dans la description. La villa se situe au centre-ville, donc juste ici. Alors, je sais pas si on peut réellement appeler ça une villa. Je dirais plus que c'est une maison moderne vraiment stylée. Alors, pour y accéder, il y a deux moyens. Donc, par le petit chemin qui est juste ici, que je trouve beaucoup plus stylé. Et on atterrit tout de suite dans le sorte de parking de la maison, avec une Zentorno et une très très belle Alpha qui est juste ici. Bon, j'ai un petit peu de mal, donc je vais pas me garer histoire de pas trop rayer les voitures. Donc les voitures sont de base, hein. Normalement j'avais des mods afin de pouvoir avoir des vraies voitures, mais comme tout a été désinstallé etc, j'ai pas trop envie de tout réinstaller. Donc du coup bah voilà. Donc on va tout de suite rentrer dans la villa histoire de voir ce que ça va donner. Donc vous avez aussi le moyen d'y accéder par ici, donc vous rentrez ici et vous avez bien évidemment le parking qui est ici. L'entrée se situe juste ici, c'est quand même une grande entrée sans porte. À noter qu'il n'y a aucune porte sur la maison, c'est-à-dire qu'une personne peut venir cambrioler, il n'y a aucun souci, il n'y a rien, il n'y a pas de porte, vous rentrez comme si vous étiez dans un moulin. On va commencer tout de suite par cette petite partie de la maison, cette partie de la maison qui est le salon, donc qui est l'une des plus grandes pièces de la maison, avec des basses, un home cinéma vraiment gigantesque, des petits, bah, du vin sur la table si jamais vous voulez inviter une fille et vous voulez l'impressionner. Par contre, essayez de changer juste la couleur des vitres, hein, parce que je pense que si une personne se met derrière, bah, on va tout voir et c'est quand même pas le top du top. Ici, nous avons une petite chambre qui, elle, est vraiment à l'abri des regards, avec une télé, un ordinateur, des livres, enfin bref, c'est une chambre, mais elle est vraiment stylée. J'aime beaucoup cette chambre, je l'avais pas vue quand j'avais visité le mode tout à l'heure, mais elle est vraiment stylée. Une petite plante dans le coin, voilà, histoire de dire qu'il y a de la végétation. La table afin d'inviter vos amis ou votre famille pour un petit repas du dimanche après-midi. La cuisine qui est juste à côté, avec une cocotte minute avec des choses à l'intérieur. Je sais pas du tout ce qu'il y a, mais il y a quelque chose, un petit hamburger dans l'assiette, voilà, des chips et un gros gros steak dans la poêle. Voilà, vous avez faim, bah vous venez manger un steak. Le micro-ondes et le frigo. Enfin bref, voilà, avec une petite cuisine à l'américaine qui est vraiment stylée. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le bois qu'il a utilisé pour faire les meubles qu'il y a juste ici. Le bois est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Donc voilà, ici nous avons la possibilité d'avoir un petit tableau. Ah oui, à notifier qu'il y a une horloge géante ici, qui indique quand même l'heure, hein. Elle indique réellement l'heure, c'est-à-dire que actuellement il est 16h52 et elle indique vraiment 16h52. C'est quand même une première de voir une horloge qui indique réellement l'heure. Sur le côté, on peut apercevoir un petit coin détente avec un ordinateur, trois écrans, personne à l'intérieur. Ici, nous avons encore une nouvelle fois une chambre. Par contre, cette fois-ci, tout le monde peut voir à l'extérieur ce qui va se passer. Et vous, vous pouvez voir. Donc, c'est pas le top du top, avec un home cinéma, un petit sofa dans le coin. Voilà, histoire que ce soit sympatoche. Histoire que vous fassiez des cochonneries avec votre copine. Et qu'une personne bourrée, bah, vous regarde. C'est quand même des délires assez chelous. Et ici, nous avons pour finir la majestueuse salle de bain. Elle est vraiment magnifique et elle est vraiment très très grande. Il y a vraiment tout qui a été réalisé, sauf la pomme de douche qui est pas trop bien faite.
mais on peut pas se doucher réellement. Mais la salle de bain est vraiment stylée, elle est vraiment vraiment jolie avec les toilettes. Enfin, il y a vraiment tout qui est parfait dans cette petite maison moderne. Je la trouve vraiment stylée. Bon, malheureusement, il n'y a pas grand-chose dans cette maison. Elle est vraiment toute petite, mais comme je vous l'ai dit, c'est une maison type moderne qui se trouve dans le centre-ville et franchement, par son aspect, rien que comme ça. Après, c'est vrai que sur GTA, on n'a pas forcément besoin de très très grandes maisons parce que on n'y fuit quasiment rien à l'intérieur, mais rien que par son côté esthétique, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo de mode. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.